je m'appelle Dr Aoumou Rosine et je suis médecin en santé migratoire à l'OIM Tchad. Notre principal objectif, c'est d'assurer une migration sûre, c'est-à-dire détecter, diagnostiquer et traiter, si possible, des pathologies ou des maladies qui peuvent être un danger pour la migration, les pays surtout qui reçoivent les réfugiés ou les migrants. Un des objectifs, c'est vraiment d'apporter assistance aux personnes vulnérables. Et le second aussi, c'est de porter secours ou de venir aussi en aide aux personnes en danger. Et habituellement, les femmes, c'est ce qu'elles font dans nos sociétés, c'est prendre soin des personnes les plus faibles, telles que les enfants, les personnes âgées. Donc sans même nous en rendre compte, nous sommes préparés au travail à l'aide humanitaire. C'est pourquoi je pense qu'il faut, pour une meilleure gestion des besoins humanitaires, impliquer les femmes. Personnellement, j'ai toujours rêvé de venir en aide aux personnes vulnérables. Et pour moi, l'aide humanitaire au travers de l'OIM Tchad m'offre cette opportunité. Je voudrais encourager certaines jeunes filles parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de femmes dans le domaine humanitaire. Et beaucoup de candidatures féminines sont fortement encouragées. Donc je voulais vous encourager à postuler sans hésiter, parce que c'est vraiment passionnant de travailler dans le domaine humanitaire et vous en êtes capable.